مازلنا موجودين بكلية الطب المنسير ليكول دو بيتاغوجي هذا ساسباس ايسي بحضور عديد من المدرسين لي زونسيون دو فاكولتي دو ميديسين اللي موجودين في تونس الكل وسعيد جدا بحواري مع الدكتور علي مهلوب رئيس قسم التخدير والانعاش بالمهدية نائب عميد كلية الطب والمكلف بالتكوين البيتاغوجي دكتور علي اهلا وسهلا اهلا وسهلا مرحبا بكم ناس كل دونك احنا في الكاتريام ليكول دو بيتاغوجي المرة دي حبينا ندخلوا دي تيم جدد thèmes jdeud homa surtout l'assistance aux étudiants en difficulté, difficultés apparentes et difficultés inapparentes. Donc, fama une approche qui est multidimensionnelle et multidisciplinaire. Habina bahdour l'ekhwa les psychiatres bach yekhdmouna al parti tout ce qui est intégration des étudiants et des apprenants en difficulté. Habina ahna zad asbah lyoum qaddamna ce qu'on appelle la pédagogie inclusive. Pédagogie inclusive houa c'est un concept lié aux architectures, comme on adopte la conception architecturale pour que soit adaptée aux fonctions des handicaps et aux fonctions des besoins de chacun. Nous avons essayé de développer des méthodes dans le développement de curriculum lors de la formation des études médicales pour qu'ils soient adaptés aux besoins et aux capacités et aux compétences de tous les étudiants, quelle qu'en soit leur infirmité apparente ou non apparente. Et comme ça, tous les apprenants et les étudiants auront la même chance. Et finalement, nous, notre objectif dans toutes les facultés de médecine du monde, c'est de former des médecins compétents. Et former des médecins compétents à leur offrir les mêmes chances dans l'apprentissage, dans la formation, tout le long de leur cursus, en fonction de leurs besoins, et sans les stigmatiser, et sans les faire des petits groupes en fonction des compétences et des besoins. Et finalement, l'objectif final, c'est de jouer dans le rôle ou de développer des outils pour avoir une conception universelle d'apprentissage. Docteur, qui نحكيو على لي ستوديون ديفيكولتي جينيرالمون لي غون ديفيكولتي كان ولا اللي تعرضوا له اغلب طلبه الطب في تونس كما تعرفوا لي ستود ميديكال باليا سو لو بلان كوانتيتي اليا ان كوانتيتي كي امبورطانت دون لي انفورماسيون Et parfois, il y a des étudiants qui ont des difficultés apparentes, ceux qui peuvent s'exprimer pour parler de leurs difficultés. Et ça, nous avons la cellule d'écoute. Il y a certains qui ont des problèmes d'assimilation, certains qui ont des problèmes de mémoire, certains qui ont des troubles visuels, certains qui ont sorti de leur milieu naturel et se trouvent là un peu dans, hors leur zone de confort. Donc, ils auront des difficultés. Et là, nous avons développé ce qu'on appelle la cellule d'écoute qui permet à pallier ces anomalies, qui permet d'intégrer tous les apprenants. Sur le plan processus pédagogique, parce que ce n'est pas tous les étudiants, ils ont des infirmités ou des anomalies qui sont apparentes, il y a des anomalies cachées, il y a certains qui ont des difficultés dans l'assimilation de l'écriture, dans le décodage de l'image, dans la visibilité des petits caractères, et là, ils ne s'expriment pas, en plus, ils ont un problème d'intégration dans les groupes, et là, nous sommes en train de développer ce qu'on appelle la conception universelle d'apprentissage et de les adopter dans un modèle de système inclusif qui pourra couvrir tous les besoins en fonction qui est exprimé et non exprimé, apparent et inapparent. Donc, si là, Dr. Ali, c'est pas facile d'être un enseignant en médecine. On demande beaucoup de mudarrisin à tibbi sifa ama enno akthar min enno yqaddem dars, akthar min enno yqaddem ma'louma, mais il doit être présent en communiquant à la mustawa al-ittisali wa li ma'rifat hatta الطالب الموجودين معه Nous avons un double rôle, c'est transmettre l'information qu'il faut quand il le faut et au niveau qu'il faut, et en plus il faut moduler la méthode et les moyens qu'on doit mobiliser pour transmettre cette information, tout en sachant que dans le cursus de formation médicale, on forme des médecins et finalement certains ils vont intégrer le système ou la filière universitaire. On n'a pas au début, au préalable, cette formation de pédagogie, mais c'est une formation qui est a posteriori, qui est faite, et on essaye toujours d'être à jour et d'adapter nos moyens et méthodes en fonction des besoins, surtout de la société, pour que ça soit pertinent, et en fonction de capacité des niveaux de nos apprenants,
tout en garantissant une chance dans le processus d'apprentissage et dans l'évaluation de nos apprenants. Parce que finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, la finalité, c'est d'avoir des médecins compétents qui sont capables de soigner la majorité des problèmes ou de faire face à la majorité des problèmes de santé publique en Tunisie. École de pédagogie في كلية الطب المنستير ça se passe ici البارح تخلص اليوم وحتى الغدوة دكتور علي مجدوب رئيس قسم التخدير والإنعاش بالمهدية نائب عميد كلية الطب والمكلف بالتكوين البيداغوجي un grand merci pour l'interview merci bonne journée الحياة FM الحياة FM زهرة الحياة